Alors, je viens de. J'avais pris un peu de temps parce que c'est vrai que j'en avais vu quand j'avais vu l'extrait pour The Flash avec Michael Keaton que je voulais le voir ce film. Là, j'ai pris le temps, je suis allé le voir aujourd'hui justement. Alors, j'ai pas été déçu, je ne vais pas vous mentir. Il y en a plein qui ont. J'ai vu des critiques négatives, je me suis dit. Oh, ben, c'est vrai que DC, j'en ai fait, à part Shazam, des trucs comme ça qui sont sur l'univers de Superman. J'ai pas fait beaucoup, ni Justice League, ni Batman, Superman. Mais The Flash m'a tellement tenté juste parce que j'ai vu Michael Keaton avec le reste que je me suis dit, vas-y, j'y vais. Et honnêtement, j'ai beaucoup adoré ce film, à la fois sur les gros clins d'œil qui ont été faits sur DC, mais surtout un personnage qui est assez construit et surtout mature. C'est que tous ceux qui connaissent l'univers DC dans les différents personnages de base de l'univers de Superman et Batman, The Flash, c'est un peu le côté un peu junior comme pour la Torche dans l'univers Marvel avec les 4 Fantastiques. C'est vraiment le kikou parfait. Mais qui a eu une grande souffrance et qui est un personnage comme Spider-Man qui justement a perdu quelqu'un de sa famille et que ça l'a complètement meurtri. Donc quelque part, il y a un grand respect par rapport à l'œuvre, c'est que justement, ils ont respecté ce personnage. Et ça, je l'apprécie beaucoup. Parce que quand on voit comment s'appelle, dans une bande dessinée, quand ça a été représenté, comme ce soit Marvel, que ce soit DC, quand un personnage est bien réalisé comme il est dans le comics, forcément, ça fait un réel plaisir. Et The Flash, ce qui était quand même mordant, c'est que du coup, tu vois le mec qui arrive, qui est genre, bon, vas-y, t'es la quatrième option, il y a un grand danger, il y a Batman qui est occupé et compagnie. Toi, il faut que tu ailles sauver un hôpital et tout ça. Déjà, il y a un bel humour bien placé justement sur le côté kid. Vas-y, t'es là juste pour les tâches secondaires. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit un petit côté de son pouvoir où il traverse le temps. Et surtout un sujet qui a, pour moi, éventré Marvel, qui était le multiverse, qui avec DC a réussi à trouver quelque chose qui correspond à ce que le spectateur espérait. Dans Marvel, pour faire la parenthèse, vous savez que quand on fait le multivers, c'était pour essayer de sauver une situation. Doctor Strange 2, pour moi, ça a été niet. Quand on a fait les personnages qui venaient avec ce qui suivait pour tout le truc avec Black Widow, avec tout ça, on a essayé d'ouvrir des brèches pour se dire on va essayer de récupérer un personnage, de le faire revenir, comme pour Gamora avec la Galaxie. Mais c'était tiré par les cheveux, on ne savait pas, ils ont fait ça pour le public. Tandis que là, pour le personnage principal qui est The Flash, pour ceux qui ne connaissent pas par rapport aux puristes, la mère de Flash est morte quand il était jeune par un cambrioleur et son père a été foutu en tôle alors qu'il est innocent. Et il se rend compte qu'à travers sa vitesse, il a eu pendant une fraction d'un temps de remonter le temps. Et là, ça commence à le cogiter parce que forcément, l'histoire, c'est de se dire, si je peux influencer le temps et revenir à cette époque, ça permettrait de pouvoir corriger et d'avoir une super belle vie. Seulement, toute influence dans le temps, comme on l'a toujours dit, fait que ce nouveau passé devient votre présent, et ce qui était après ce passé devient votre futur. Donc en fait, tout ce, sur le plan physique, avec ce qu'il en est, il y a une vraie correspondance sur le multiverse avec tout ce qui peut se créer et tout ce qui peut complètement changer. Un acteur, un personnage donc qui va interpréter le rôle. Et c'est vrai que là, vous avez vraiment le multiverse propre, mais qui respecte le code de l'univers. Donc, là, à l'heure actuelle, pour DC. Donc, à ce moment-là, notre héros va se retrouver lui-même en doublon, avec une mentalité complètement beaucoup plus enfantine et beaucoup plus, entre guillemets, bah forcément, voilà, vu qu'il a eu aucune souffrance. Et ce qui est assez ironique, justement, c'est que tu vois que le mec lui-même, qui était un petit peu immature, prend encore plus de maturité d'un seul coup. Donc, déjà, ce plan-là, sur ce plan de ce personnage, c'est ultra travaillé. Là, par contre, on est arrivé sur ce que j'adore, c'est sur la création d'un personnage qui évolue, mais dans le bon sens du terme, justement, qui reconnaît ses propres erreurs. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que donc nous avons donc ce personnage qui arrive dans une autre époque, à l'époque du passé, mais avec des héros DC qui ne sont pas là. Superman n'est pas là. Le Batman a été changé dans un autre, par justement quelqu'un qui n'est pas lui, mais justement Michael Keaton. Ensuite, vous avez des personnages comme Aquaman qui ne sont pas là. Wonder Woman, c'est pareil. Donc en fait, il n'y a que très peu de personnages. Mais on va les croiser à un moment donné. Et c'est ça qui est quand même assez fou. Alors, sur la partie spoil, vous avez quand même double Flash.
ils vont devenir, lui va devenir aussi Flash parce que le premier va l'aider à le devenir, grâce à ce qui s'est passé dans le temps, justement le fameux jour où The Flash est devenu The Flash. Nous avons Supergirl et Michael Keaton, donc Batman, et ce Batman de 80, à l'époque de Batman le défi et Batman avec le Joker avec Jack Nicholson. Oh, qu'est-ce que putain, mais c'était magnifique. En plus, ils ont mis l'OS de base de cette époque. Et quand tu le connais, mais même l'ancienne Batmobile, la vraie, pas avec le côté tuning Jackie et Michel, mais vraiment celle-là, le Batfly avec le truc, seul truc par contre qu'on n'avait pas, parce que au départ de l'histoire, donc vous avez donc forcément Alfred, joué par Jeremy Irons, justement avec Ben Affleck pour le Batman. De base, dans la vraie époque, dans le vrai, on va dire, univers où se trouve justement The Flash, là justement, il n'y a pas Alfred, il n'y a que Batman, tout seul, et justement, tout va bien. Et c'est pour ça qu'en fait, il avait perdu une partie de sa conviction, et on le retrouve pour se battre justement pour une nouvelle cause. Et ça, c'était pour moi un régal. Mais il y a une partie qui m'a fait encore le plus fantastique. Alors par contre, dans le croisement des multiverses, vous avez des personnages que vous ne verrez plus. Quand on avait proposé à Nicolas Cage d'être Superman, vu que c'était Ben Affleck, donc ils l'ont mis en Batman. Ah, Batman, non, Superman, pardon. Le vrai premier Superman qu'on a tous vu, qui malheureusement est fini par l'accident de cheval, pareil pour... Ah, j'ai oublié son nom, mais vous connaissez, c'est une hérésie de pas, mais voilà, lui aussi, quand on le voit avec l'image de Supergirl, c'est pareil de cette époque, ils ont fait des effets spéciaux, franchement, j'ai adoré pour ça, c'était un vrai coup de cœur par rapport à l'épopée d'essai de l'époque, année fin 80-90, pour ce que ça représentait. Et pour aussi un méchant de l'univers Superman, qui est justement le Général Zod, alors lui aussi, ils l'ont fait, mais aussi vache. En fait, ce que j'ai adoré, c'est que, pour tous ceux qui connaissent bien DC, vous avez les films Superman, les 4, mais vous avez aussi la jeunesse de Superman, qui est donc Smallville. Et ils ont réussi à faire un espèce de Général Zod qui était assez une pourriture dans la série. Là, c'était pareil, je le reconnaissais dans le sens que... La manière sauvage, comment il s'appropriait pour vouloir tuer et tout ça, c'était vraiment un sacré beau clin d'œil. C'est ce que j'ai ressenti, que ce personnage, comme méchant, il n'est pas du tout... Il est vraiment... Il a peu d'action, mais il est... C'est propre. C'est pas dans le dialogue. C'est une action, j'explose, et c'est moi le patron. Et c'est un méchant assez tyrannique, et surtout qui, justement... On a une vraie désillusion parce qu'on va penser justement qu'on va pouvoir sauver tout le monde. Et justement, ce multivers, c'est qu'il faut accepter la défaite pour revenir dans le temps et donc sacrifier tout ça. Et c'est ça le beau message justement en soi. Alors le film, ça fait quand même depuis 3-4 semaines qu'il est dans les salles, très critiqué, et honnêtement, bah, les gens ne l'ont pas aimé. Je vous dirais honnêtement, moi je lui mettrais facilement... 4 sur 5. Parce qu'il y a des choses qui sont peut-être pas... Voilà, on peut ou ne pas aimer, mais c'est un excellent film en soi. Chacun son avis. Moi, honnêtement, dans ma bibliothèque, je le prendrai. Je vous le dis direct. C'est clair, j'en ferai l'acquisition. Après, dans ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas... Il y en a qui n'aiment pas le personnage de Flash, qui n'aiment pas celle qui a joué Supergirl, celle qui... Voilà. Je trouve que ça respecte énormément. Alors, pour les puristes, il y a un vrai débat que j'ai vu sur Allociné, mais bon, maintenant, je vous le dis avec le recul, c'est que Allociné, avec tout ce qui s'est passé entre la petite sirène et tout ça, c'est plus aussi agréable, parce que c'était bien avant le Covid, honnêtement, où tout le monde pouvait dire vraiment, sans qu'il y ait des débats de tweets et tout ça, ça ne m'intéresse plus, honnêtement. Quand j'ai vu les commentaires, je me suis dit, je vous écoute pas, je veux voir le film, j'ai envie de le voir. Et par rapport à ça, je me suis fait réellement plaisir. C'est la première chose qui m'a plu par rapport à ce film. Mais honnêtement, sur Allociné, je mettrais 5 sur 5 parce que j'ai pris un grand plaisir à travers de revenir 30 ans en arrière avec cette magie des Batman et tout ça, que franchement, ça a été pour moi un grand travail, un grand respect entre les scènes, la manière d'être et puis tout ça. Ces clins d'œil sont respectés, et puis surtout, on crée bien l'histoire.
C'est ça qui donne l'intérêt par rapport à ce genre de film. Donc je vais m'arrêter pour ça. Et je pense qu'il va rester encore un tout petit temps encore dans les bacs. Donc avant de l'acheter en format physique ou de le voir en VOD, je vous le conseille parce qu'il en vaut largement le coup.